Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703-036-3659, 0703-768-1198. Email address lsmedia@livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. When Elijah was on the platform, quand Élie était encore en train de servir Dieu, there was a burden that he carried. Il portait un fardeau. The burden was the restoration of the people of God. It's a revival burden. Et le fardeau était un réveil pour la restauration du peuple de Dieu. And do you remember how that man labored in the place of prayer? Et vous vous souvenez comment il a vraiment prié? The Bible said Elijah prayed. La Bible nous précise que Élie a prié. That it will not rain on the face of the earth. Qu'il ne pleuve pas sur la terre. And for 3.5 years. Et pendant 3 ans et demi, God locked the heavens. Dieu a fermé les cieux. Is it because Elijah just wanted to demonstrate power that we can close the heavens? Est-ce simplement parce que Élie voulait démontrer la puissance qu'il a fermé le ciel? He was not looking for miracle for show. Ce n'était pas pour se faire voir qu'il cherchait ses miracles. It was a burden. C'était un fardeau en fait. And what was the burden? Et de quoi s'agissait-il? Baal has taken over the land. Baal était en train de dominer dans le pays. And people think that the God that is blessing the people is Baal. Et les gens pensaient que la bénédiction sur le peuple venait de Baal. And all the prophets of the Lord. Et tous les prophètes, all the preachers, tous les prédicateurs, have been bought over. Ont été corrompus. Jezebel was already paying them every month. Jezebel les sponsorisait chaque mois. 400 prophets of the Lord were on her payroll so that they will no longer preach the word of God. They will only be singing for Ahab. 400 serviteurs de Dieu étaient recrutés. Ils étaient abonnés avec elle pour être payés par moi. Those who could correct the situation have been silenced. Et ceux qui pouvaient rectifier la situation se taisaient. And this man prayed. Et cet homme-là a prié. Said, oh God. En disant, oh Dieu, if you don't prove that you are God, si tu ne démontres pas que tu es Dieu, everything will be lost. Alors tout sera perdu. And as he prayed, et dans sa prière, God said, what do you want? Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? He said, I want you to lock the heavens. Il dit, j'aimerais que tu fermes les cieux and don't open it et n'ouvre pas les cieux. Until I have come back to request. Jusqu'à ce que je revienne pour te demander cela. God said, you have it. Et Dieu dit, ok, qu'il en soit fait ainsi. He met Ahab, he said, thus says the Lord. Il a rencontré Ahab et lui a dit, ainsi parle l'Éternel. As the Lord liveth before whom I stand. L'Éternel est vivant, celui que je sers. There shall be no rain nor dew in the next. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Until I say so. Jusqu'à ce que je dise autrement. And he went away. Et il s'est éloigné. And the whole nation went into this trouble. Et toute la nation a vécu cette difficulté. What was God wanting? Qu'est-ce que Dieu cherchait à atteindre? To repent. Pour les pousser à la repentance. To turn back to God. Pour revenir à lui. It took 3.5 years. Cela a pris 3 ans et demi. But when this man of God was told that I will send the rain. Mais quand Dieu a dit qu'il allait envoyer la pluie à cet homme de Dieu, he knew it will require much prayers. Il a compris qu'il fallait encore prier à nouveau. The Bible says he prayed earnestly. Et la Bible dit qu'il a prié avec ferveur. That it might rain. Pour qu'il pleuve. You remember the prayer? Vous vous souvenez de cette prière? Do you remember that? Cette séquence. And at the moment of it. Et pendant ce temps. He brought the prophets of Baal. Il a invité les prophètes de Baal. And these prophets of Baal. Et ces prophètes de Baal. About 800 of them. Ils étaient environ 800. Were slaughtered. Et tous ceux-là ont été abattus. That day. Ce jour-là. And God gave the rain. Et le Seigneur a donné la pluie. But never you forget. Mais n'oubliez pas. That was only
a beginning of a move of God to recover the whole nation of Israel and Judah. Que ce n'était que la première étape dans la restauration et dans le retour du peuple de Juda vers Dieu. Unfortunately, malheureusement, Elijah got exhausted. Élisée s'est épuisé. Elijah said, Élie s'est épuisé plutôt. I can no longer do more than my father. Élie a dit, je ne peux pas faire mieux que mes pères. I would like to resign now. Oh, je veux démissionner maintenant. Unfinished assignment. Vous voyez, une œuvre inachevée. He couldn't push to the point of that total breakthrough. Il n'a pas pu arriver à accéder à cette ouverture complète. While he was desiring to die, tandis qu'il désirait mourir, God was saying to him, Dieu lui disait, arise and eat. Lève-toi et mange. For the journey is too great for you. Parce que le voyage est encore long. It's not time to die. Ce n'est pas le temps de mourir. God said, et Dieu a dit, return. Retourne. But as you are going, mais en repartant, you will find Elijah. Tu vas trouver Élisée, the son of Shaphat. Le fils de Shaphat. Anoint him. Oint-le. As a prophet in your stead. Comme prophète à ta place. You will find Azaël. Ensuite, tu vas trouver Azaël. Anoint him. Oint-le. As a king over Syria. Comme roi sur la Syrie. And you find Jehu. Et tu vas trouver Jehu. The son of Nimshi. Le fils de Nimshi. And God explained something that was very strange. Et Dieu a expliqué quelque chose d'étrange. That those who will escape. Et il dit ceux qui vont échapper. The sword of Azaël. À l'épée de Azaël. Jehu will catch. C'est Jehu qui va les récupérer. And those who will escape. Et ceux qui vont échapper. The sword of Jehu. À l'épée de Jehu. Elisha will handle. Élisée va régler leur cas. What does that show? Qu'est-ce que cela montre? That there's an elaborate move of God. C'est qu'il y a un plan bien élaboré de Dieu. For the total recovery of God's purpose. Pour agir dans la restauration complète du plan de Dieu. It has different dimensions. Et cette action a différentes dimensions. And that all the people that needed to be part of it. Et tous ceux qui doivent être impliqués là-dedans. They have been named. Ils sont mentionnés. And they must be brought out. Ils sont nommés, ils doivent tous être impliqués. And they must be anointed to fulfill it. Ils doivent être trouvés et oints pour accomplir la tâche. And God was saying to Elijah. Et Dieu disait à Élisée, à Élie, you say you are alone. Tu dis que tu es seul. I have 7,000. Mais pourtant j'ai 7,000 that I've reserved. Qui sont mis de côté. For the coming revival. Qui sont préparés pour le réveil they qui est à venir. Not bowed their knee et qui to ne sont pas inclinés devant Baal. They are going to rise. Ils vont se lever. It's because you don't understand. C'est parce que tu ne comprends pas. I want to inform you. J'aimerais vous dire. That it was after that. C'est après cela. That Elijah started the school of the sons of prophets. Que Élie a institué l'école des prophètes. It was after that. Des fils des prophètes. C'est après cela. See a dying man, a voici man un homme on his way out, qui est en train de partir. Doing a crash program. Qui est en train de faire un programme monté rapidement. A crash program. Un programme monté rapidement. He was looking for those to hand over. Il cherchait ceux à qui il allait remettre le bâton. You don't understand what I'm talking. Le relais. Vous ne comprenez pas ce que je dis. He has a load on his neck now. Il a maintenant un poids sur son cou. He wanted to depart to heaven. Et il veut partir au ciel. They say you can't go. Et on dit tu ne peux pas partir. Go and look for those to hand over to. Va trouver ceux à qui tu vas remettre le relais. The anointing we release is to do something on earth. L'onction qu'on t'a donnée c'est pour faire quelque chose sur la terre. You have only scratched the surface. Tu n'as fait que gratigner la surface. You have not got far. Tu n'es pas allé loin. Jezebel is still in the palace. Jezebel règne toujours au palais. Ahab is just affected small. Ahab a été simplement touché un peu. And you want to die. Et toi tu veux mourir. What you want to die for? Pourquoi now? Veux-tu mourir? Is it Mount Carmel that you are celebrating? Est-ce ce qui s'est passé au Mont Carmel que tu es en train de célébrer? When the whole of the temple is still full of idols. Alors que tout le temple est rempli d'idoles.
Even though you slaughtered the prophets of Baal, quoi que tu aies tué les prophètes de Baal, you have not sanctified the prophets of the Lord. Tu n'as pas encore sanctifié les prophètes de l'Éternel qui doivent servir Dieu. Because if they stand up ministry, parce qu'ils sont encore dans la compromission, they will still be singing the praise of Ahab. Et s'ils se mettent à servir Dieu, ce sera toujours avec l'onction de Baal. You've not done your work. Tu n'as pas encore fait ton travail. And you want to die. Pourtant, tu veux mourir. And you want to go. Et tu veux t'en aller. God said, Et Dieu dit non, il n'est pas question. So for the next 14 years, donc pendant les 14 années qui ont suivi, Elijah, Elie, rather than moving forward, au lieu d'avancer, he was returning. Au contraire, il revenait en arrière. He was returning. Il revenait en arrière. He was unwinding. En fait, il était en train de revenir en arrière. But why that is happening to this man? Mais tandis que cela arrivait à cet homme, God, Dieu, began to seek out. A commencé à rechercher. Now, that's the first prayer. C'est là donc le premier sujet de prière. God, Dieu, is been seeking out. Qui cherche. Heads, des vies, des têtes, that will carry the anointing. Qui vont recevoir et porter l'onction. To subdue. Pour assujettir. To bring total recovery. Pour apporter une restauration totale. That's good. And to bring complete refocusing. Et pour refocaliser complètement of the purpose of God sur la volonté de Dieu in our generation. Dans notre génération. And because this is going to be a global move of God. Et comme ce sera un mouvement global de Dieu, he's looking for heads. Il cherche des gens, lives, des vies, people, des personnes, men and women, des hommes et des femmes. Who have been numbered qui ont été comptés to carry this portion of anointing pour porter cette onction du Seigneur. Am I communicating with you? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? And so the first issue. Alors donc le premier point is that the word of God came this afternoon. C'est que ce matin la parole de Dieu est venue and said. Et elle dit the mercy of God. La miséricorde de Dieu has located you. Vous a localisé. Don't make light of what we are saying. Ne prenez pas la légère ce qui a été dit. That the grace of God, la grâce de Dieu, has compelled that you should be found out. A ordonné que tu sois retrouvé. You see, as our brother began to speak, comme nos frères parlaient ce matin, fear gripped me. J'étais saisi de crainte. I said, now, Lord, j'ai dit, ah, Seigneur, maintenant, why have you come like this? Pourquoi est-ce que tu viens à nous de cette manière ce matin? And you are beginning to speak deep issues. Et tu as commencé à dire des choses profondes. With these brothers understand? Avec ces frères-là, est-ce qu'ils comprennent ce que tu dis? We did not just think that we are preaching again. Est-ce qu'ils ne vont pas encore penser que c'est un autre message? We are not de preaching. Prédication? Non. We are not preaching. Ce n'est pas de la prédication. God is talking to you now. Dieu te parle à toi présentement. Listen. It's very. That's why this is a heavy prayer to pray. Écoutez, parce que c'est un sujet de prière qui a du poids. There is a portion of what's about to be that heaven has allocated to you. Et il y a, dans tout ce qui va se passer, il y a une portion que Dieu te réserve à toi. The reason why God has tarried and has been wrestling and has been struggling with your life despite all your wrong decisions, all your sluggish attitude is because heaven has included your name in what is about to happen globally. La raison pour laquelle Dieu a gardé patience avec toi malgré ta nonchalance, malgré tes indécisions, c'est que le ciel a réservé une portion de ta vie dans tout ce qui va se passer sur le plan global. That's why you are here. Et c'est pour cela que tu es ici. That's why God compelled you to be here. C'est pourquoi Dieu t'a obligé à venir ici.
You know, when he found Elisha, quand il a trouvé Élisée, and interrupted him, et qu'il a arrêté ce qu'il faisait, and took him away from his business, il a fait partie de son affaire. Don't hinder God from interrupting you and what you are doing. Otherwise, you may be irrelevant. Et dans ce qu'il a dit, n'empêche pas Dieu d'arrêter ce que tu fais, sinon après tu seras dépassé. Because the day has broken. Parce que le jour s'est levé. It's not your business, it's not your children that must hinder you now. Otherwise, the rest of your years, you may just be scratching, not getting anywhere. You need to pray about that. Que ce que tu fais maintenant, que ta famille, tes enfants ne soient pas ce qui t'empêche d'entrer dans ce que Dieu veut faire. Sinon, après cela, tu seras dépassé, tu ne pourras plus rattraper le train. I said, but Elijah did not get to find Hazael. Élie n'est pas allé chercher Hazael. And he did not get to meet Jehu. Et il n'a pas pu rencontrer Jéhu. When the chariot came to carry him. Jusqu'à ce que le chariot vienne l'emporter. But there was one thing, one good thing that God helped him to do. Mais il y a une bonne chose que Dieu l'a utilisé à faire. He found an Elisha. Il a trouvé un Élisée. Who said? Qui dit? I need double portion of your spirit. J'ai besoin de la double onction qui est sur ta vie. Because I can see that you are going. Parce que je suis en train de voir que tu t'en vas. And your commission has not finished. Pourtant, ta mission, ton mandat n'est pas achevé. I need a portion of your spirit first to finish what you did not finish. J'ai besoin d'abord d'une portion de ton esprit pour finir ton travail. Before I will get a portion avant for que me je puisse avoir une autre portion pour moi, pour what entrer I'm supposed to dans pursue ce que je dois faire. And you could see that when Elisha was anointed, et on peut voir quand Élisée a été oint, all the schools of sons of prophets that Elijah started and he could not carry them anywhere. You know, all of them cannot become anything. Toutes les écoles fondées par Élie là ne pouvaient rien devenir. It was when he came back. C'est quand il est revenu. That those sons of prophets began to become something. C'est en ce moment que ces fils des prophètes ont commencé à devenir quelque chose. That's when they became sendable. C'est là qu'ils ont été capables d'être envoyés. Do you remember that Hazael? Est-ce que vous vous souvenez que Hazael was sent to go and meet Elisha to find out that his own master is sick, will he be recovered? And then Elisha started weeping over that man, say, "Oh, I know what you are going to do to Israel. You have been anointed to carry out some assignment against Israel, and I know how wicked it will be. That's why I'm crying." Vous souvenez? That day, the boy went back and put wet cloth on his master that sent him and finished him, and he took over the throne and began to walk. Vous vous souvenez que Hazael avait été envoyé pour s'enquérir de la santé de son maître pour voir s'il allait vivre. C'est là que Élisée a annoncé ce qu'il allait faire. Listen. C'est là qu'il est parti tuer son maître I'm et il est devenu roi. To you because I pray Holy Ghost will give you understanding. Ce que je suis en train de dire, c'est de demander, je demande au Saint-Esprit de vous faire comprendre cela. We may have found Elijah. Peut-être qu'on a trouvé un Élisée. But it remains Jehu. Mais il reste Jéhu. And Elisha knew. Et Élisée savait. No matter how he runs. Peu importe ses efforts. He cannot complete this work. Il ne peut pas achever cette mission. Until Jehu had been brought. Jusqu'à ce que Jéhu soit apporté à s'impliquer. Until Hazael have taken their place. Jusqu'à ce que Hazael joue son rôle. That's why we're here. C'est pour cela que nous sommes là. So the first prayer. Alors la première prière, le premier sujet. That's why I started singing. Pass me not, O C'est pour cela que nous avons commencé par dire, Seigneur, ne me dépasse pas. While you are touching and helping others. Quand tu es en train d'aider les autres.
Don't let me sit in a wrong place. Ne me laisse pas être au mauvais endroit. Don't let me be preoccupied with useless things. Ne me laisse pas être occupé à des choses inutiles. With useless people. Avec des gens inutiles. Who are going nowhere. Qui ne vont nulle part. Some of you used to be in some pastoral fraternity. Il y en a qui sont dans des associations pastorales parmi nous ici. Where you all sit down to make mockery of the word of God. Où on s'assoit et on est en train de dénigrer la parole de Dieu. Only discussing how to raise offering. On est en train de parler de comment envoyer de l'argent, comment susciter des offrandes. That's the club of pastors you belong to. C'est à ce genre de alliance pastorale que vous appartenez. And they are going nowhere. Et ils ne vont nulle part. And yet there's a destiny on your life. Pourtant il y a une destinée qui s'attache à ta vie. And God has been looking for how to move you out of Et that. Et Dieu veut te faire sortir de ce club. So that you can take your space. Afin que tu puisses occuper ton espace. In this matter that God himself is supervising. Dans ce que Dieu lui-même est en train de superviser actuellement. Are you understanding? Est-ce que vous suivez? Some of you, you are sitting in a business company. Il y en a qui sont dans des affaires. I'm telling you the truth. Et je vous dis la vérité. That business will die. Cette affaire va mourir. Even though you are doing your best. Quoi que tu fasses tous tes efforts. The owners of the business. Les propriétaires de ces affaires. They have no future. Eux, ils n'ont pas d'avenir. That is not the business for which you were raised. C'est pas pour cette affaire là que tu as été formé, que tu as été gagné. You have to get out of it. Tu dois sortir de cette affaire. So that you can seek direction for where you are going. Pour chercher à être orienté par rapport à la voie à suivre. Can you imagine the kind of thing that Jehu did for God? Est-ce que vous pouvez imaginer les choses que Jehu a fait pour Dieu? But see where he was sitting. Mais regardez où il était assis. He was sitting in the midst of scorners. Il était en compagnie des moqueurs. When a man of God came in, quand l'homme de Dieu est venu avec cette ferveur, cette urgence dans l'esprit. What did that madman come to? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'est venu faire ce fou là, ce type? When our brother said, look at the kind of people he sat with. Là, quand notre frère a dit, regardez le genre de personnes avec qui tu marches. Can I ask you, look at the kind of people you are sitting? Moi, je te demande de regarder les genres de personnes avec qui tu marches. Look at the kind of churches. Regarde la qualité d'église que tu fréquentes. Look at the kind of messages you are hearing every week. Regarde les messages que tu écoutes chaque jour. Can that carry you anywhere? Est-ce que ça peut t'amener quelque part? Can that release your destiny? Est-ce que cela peut libérer vraiment ta destinée? But the grace of God. Mais la grâce de Dieu. Found out Jehu. A trouvé Jehu. To come and fulfill his own part of the destiny. Il vient jouer son rôle et accomplir sa destinée. Elisha has been doing. Élisée faisait sa part. But Elisha's will not finish the job until Jehu's have come. Mais Élisée ne pouvait pas finir tout le travail tant que Jéhu n'était pas impliqué. That's the first prayer. C'est là le premier sujet de prière. And it's a critical prayer. Et c'est un sujet très important et déterminant. Father, Father. Père. That destiny I'm meant to fulfill in this end time. Ce que je dois accomplir dans ce temps de la fin. Cette destinée que je dois réaliser. Get me there. Fais-moi entrer dans cela. Take me from wrong company. Ôte-moi, délivre-moi des mauvaises compagnons, des mauvaises compagnies plutôt. Take me into the inner chamber. Fais-moi entrer dans le lieu secret. Where you can open the vial of oil. Là où tu peux ouvrir la bouteille d'huile. And release to me. Et libérer sur moi. The word of the Lord, la parole du Seigneur, and the anointing or the unction to fulfill it. L'onction est le message pour accomplir cette mission. Do you think that's a matter to pray? Est-ce que vous pensez que ça mérite qu'on prie pour cela? Eh? We have come for summit of nations. Nous sommes venus pour le sommet des nations. And we have done that over and over. Et nous avons fait ça depuis des années. But when we were beginning to enter this one. Mais quand nous avons commencé à entrer dans ce qui se passe. And the Lord said. Et le Seigneur a dit.
The theme for this one is the day breaks. Le thème de ce sommet, c'est de dire que le jour se lève. That the sun is already rising. C'est que le soleil se lève déjà. Every struggle, every wrestling, every reluctance, every disobedience, every sometimes you are very you are too reasonable. Toute lutte, toute résistance. You are too reasonable for God. Tout raisonnement. Quelquefois on raisonne avec Dieu. You bring out your calculator. On fait sortir notre calculette. You are looking at the number of years. Et nous commençons à regarder le nombre d'années. When your gratuity will mature. Oh, où nous allons commencer à avoir la pension. And you are saying, God. Et tu dis, Seigneur. I will serve you. Je vais te servir. But not now. Mais pas maintenant. You know, in 5 years time. Tu sais, dans 5 ans à venir. My gratuity will mature. Oh, mon salaire va augmenter. Then I can retire. Alors, je pourrai avoir une bonne pension. And have regular income. Et je pourrai prendre la retraite et puis je pourrai donc avoir une so bonne you pension. Quietly say to God, donc tu dis à Dieu. 5 years time. Dans 5 ans. Some of you brought out your calculator. Il y en a qui sortent leurs calculettes. Our last born. Et tu dis notre dernier fils. Is just doing his. GCESC or something. Okay, il est en train d'aller au BPC. Then he will spend 2 years to do A levels. Et puis il va passer 2 ans au lycée. And he will spend another 3 years to do a degree. Et il va passer 3 ans à l'université pour son premier diplôme universitaire. God, Seigneur, you gave us that boy. Donc est-ce que tu nous as donné ce fils là? And anybody that does not take care of his son. Et tu dis celui qui ne prend pas soin de sa famille. Is worse than an infidel. Il est pire qu'un infidèle. You are more intelligent Toi, than God. Tu commences à prêcher les versets à Dieu lui-même maintenant. You know Bible more than tu connais God. Plus la Bible que Dieu. You are not saying, oh God. Et tu dis, oh Dieu. Before I can step into this. Avant d'entrer dans ceci. To pursue your purpose. Pour courir après ta volonté. For which I was born. Pour laquelle je suis né. It will take 6 years. Ça va prendre environ 6 ans. Then I will have helped that boy. Alors j'aurais aidé cet enfant à entrer dans la vie. Those of us that threw our life to God. Et nous qui avons déjà répandu notre vie en Dieu. Was our children drop out? Est-ce que nos enfants ont échoué? Was your children better than mine? Est-ce que tes enfants sont mieux que les miens? Where are your children? Où sont tes enfants? That my own is not. Où les, dans quel lieu sont tes Why enfants que mes enfants ne peuvent pas? Why are you so foolish? Pourquoi raisonnes-tu comme un insensé? As to keep negotiating with God. Pour continuer de négocier avec Dieu. When the day of your life alors que le jour de ta vie est en train d'aller vers son zénith. Who are the people you are keeping company with? Avec qui est-ce que tu marches? What are you discussing? Qu'est-ce que tu discutes avec eux? What was Jehu discussing with those people? Quel était le sujet de discussion entre Jehu et puis ses collègues? Such that when an urgent messenger de sorte qu'un messager est venu avec urgence. You can see that it was urgent. Nous voyons qu'il y avait de l'urgence dans son mouvement. The man ran. Cet homme, il courait. As he ran in, il se précipitait pendant qu'il se dépêchait. Into the officer's il allait dans le mess des officiers. Say, excuse me. Il dit, s'il te plaît, j'ai un message pour le chef. Say, which one dit, lequel d'entre nous, lequel d'entre nous. On est ici, le capitaine. It's not something I can deliver here. Je ne peux pas discuter en public. Excuse me, you are the one. C'est à toi, s'il te plaît. He dragged him inside. Et il a attiré à l'intérieur. As he showed him the word of the Lord. Et quand il lui a annoncé la parole he de Dieu, the oil on il his a répondu lui sur sa say, tête. You have been made a king. Il dit, tu as été fait roi. This is not your class. Ce n'est pas ta classe ici maintenant. This is not your Ce class. N'est plus ta classe ici. You are not supposed to tu sit n'es plus here. Supposé être ici. And you're already getting late. Et tu es déjà en retard. You need speed to tu cover as besoin up. D'une vitesse pour rattraper le temps perdu. You need speed to cover up. Tu as besoin d'une vitesse pour rattraper le temps. Was driving furiously. Et c'est pour ça qu'on a dit que Jéhu conduisait you wonder de façon what kind insensée. Of zeal was that? On se demandait c'était quelle sorte de zèle That's qu'il the animait. Zeal of a late comer. C'est le zèle d'un retardataire. That's the zeal of a man whose life is about to finish. C'est le zèle de quelqu'un qui est en train d'aller vers la fin de sa vie. Before God now. Je voudrais que tu te tiennes debout devant Dieu maintenant. I want you to honestly cry to Et God. Je voudrais que tu cries honnêtement à Dieu. Beaucoup this year cannot be the same. Et tu dis Seigneur, beaucoup cette année ne sera you pas la même. You can't return to those useless things you used to do. Tu ne peux pas repartir à ces choses inutiles. You can't go back.
Tu ne peux pas repartir. And be doing things as usual. Et faire les choses comme d'habitude. I'm sorry if this meeting scattered your life. Je suis désolé si cette retraite bousille ta vie. Maybe it needed to scatter. Peut-être il y a un besoin de bouleverser ta so vie. So that you can be the man you were born to afin be. Afin que tu sois l'homme que tu dois être quand maybe tu es né. The company you are keeping. Peut-être ceux avec qui tu marches. They are not letting you break forth. Ils ne te laissent pas avancer dans ce que Dieu a prévu. They are not letting you become the king that ils God wants you to be. Ils ne peuvent pas entrer dans la royauté que Dieu préserve. They are keeping you in their fraternity. Et ils te gardent dans leur communauté. And they are telling you that we need to be in fellowship. Et ils disent on doit être en association. How can you be in fellowship? Comment est-ce que tu peux être en association? With mockers of the word of God. Avec des moqueurs de la parole de Dieu. How can you be in communion? Comment est-ce que tu peux être en communion? With those who are going nowhere. Avec ceux qui ne vont nulle part. How can you stand among them? Comment est-ce que tu peux être entre eux? These are people that are eating and drinking. Voici des gens qui mangent et qui boivent. When the whole city is crying, alors que toute la ville pleure, where is the man you told us oui, about? Où est cet homme que tu nous as annoncé? Where is the deliverer? Où est le sauveur? Where is Jehu? Où est Jéhu? Will you like to pray? Est-ce que tu peux prier? Lord, Seigneur, whatever must happen, tout ce qui doit arriver, move me, fais-moi, déplace-moi, mobilise me, mobilise-moi. Do something to my life now. Fais quelque chose à ma vie maintenant. Cause me to step into my portion. Faire que j'entre dans ma portion. Don't pass me by. Ne passe pas à côté de moi. If this meeting was arranged, si cette retraite a été organisée, God made sure that you are here. Dieu a fait en sorte que tu sois ici. There was a resistance. Il y avait une résistance. But God said you must go to Boko this year. Dieu a insisté pour que tu viennes à Boko. You must go to Boko this year. Tu dois venir à Boko cette année. Whatever God wanted to do. Tout ce que Dieu veut faire. Maybe this is the issue. Peut-être c'est là le point qu'il veut maybe aborder. Maybe this is the point to release peut-être you. C'est le point dans lequel il veut te libérer. To break that boundary. Pour briser ces barrières. When God has helped you. Quand Dieu t'a aidé. Even those who did not know. Même ceux qui ne savent pas. They will know. Ils vont le savoir. They will say ah. Et ils vont dire ah. So Jehu is the one to lead us to revival. Donc c'est Jehu qui va nous conduire au réveil. He is the one to remove Jezebel. C'est celui-là qui va enlever Jezebel. All the sons of Ahab. Et tous les fils de Ahab. That were the descendants of Jezebel. Qui étaient les descendants de Jezebel. They needed to be removed. Ils devaient être ôtés de là. So that the kingdom of God can be established. Pour que le royaume de Dieu soit établi. And yet it is Jehu. Et pourtant il fallait un Jehu. That heaven has ordained. Que le ciel a choisi. To carry it out. Pour exécuter ce plan. Please pray. Right now. Prie maintenant. Call on God for yourself. Invoque le Seigneur pour toi-même. Father, et dis Père. Father, Père. Whatever you must do. Tout ce que tu dois faire. You know the Bible said. Vous savez la Bible dit. They told the man, say, carry him. On dit il faut le tirer, il faut le porter, il faut le prendre. Carry him. Prends-le. Carry him from that class. Prends-le de cet endroit. Pray that God we translate you. Je prie que Dieu puisse te transporter hors de là. God, we carry you by force. Et Dieu te déplace par la force. Into what your life is meant for. Dans ce que Dieu a réservé pour ta vie. You are not unreasonable to hand over to God. Et tu n'es pas raisonnable de te remettre à Dieu seulement. Let's pray. Let's pray. Prions, keep on prions. Praying. Keep on praying. Keep on praying. Speak to God for yourself. Speak to God clearly. Parle à Dieu clairement. Speak to God by the Holy Ghost. I wish you are able to say to God, I know you know what you are doing with me. I know that you know what you are doing with me. J'espère que tu vas dire à Dieu, je sais que tu sais ce que tu fais de ma vie. Just carry me into your purpose for my life. Carry me into your purpose for my life. Carry me into your will for my life. Oh, Roboshi. Amen. 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 Dis au Seigneur, fais-moi entrer dans ce que tu as prévu. Do you know? Savez-vous? It was after chapter 18. C'est après le chapitre 18.
After Carmel experience, après l'expérience du Carmel, that Jezebel was still boasting, tandis que Jezabel se vantait toujours, Ahab still went and killed Naboth and took his vineyard. Et que Achab est allé tuer Naboth pour s'emparer de son champ. Wickedness still continued. Et la méchanceté continuait de régner. All the people that said the Lord is God. Tous ceux qui avaient dit l'Éternel est Dieu. Where are they? Où étaient-ils? They went back. Ils sont retournés. What kind of ministry is that? Quelle sorte de ministère est-ce? He does spectacular things but no result. Qui fait des choses extraordinaires, spectaculaires, mais sans effet, sans résultat concret. That was not the anointing God wanted. C'était pas ça, de cette onction que Dieu parle. Many of us celebrate that one man was healed when you prayed and then you are carrying up and down taking photographs. Oui, quelqu'un, tu as prié, quelqu'un est guéri, tu prends des photos, tu veux montrer cela. But the whole community is as wicked. Mais pourtant, toute la communauté no est transformation dominée par la méchanceté. Il n'y a pas de transformation de vie. Jehu was sitting somewhere. Jehu était assis quelque part. You know, in my mind, I know what they were doing. Oui, je suis en train d'imaginer, je vois ce qui se passe. If you meet officers when they sit, si vous voyez des officiers de l'armée, ils sont assis, they are sipping wine, ils sont en train de boire l'alcool, and eating chicken, et ils sont en train de manger du poulet, and playing either drafts, et ils sont soit en train de jouer aux cartes, ou bien au damier, or chess, ou bien ils jouent au damier. That's what they were doing. C'est ça, c'est ce qu'ils font au mess. A man of destiny. Un homme de destinée. Playing chess. En train de jouer au damier. While thousands are dying. À l'échec, aux échecs, tandis que des milliers sont en train de périr. The land is becoming more and more wicked. Et le pays commence à être de plus en plus dominé par la méchanceté. And he was playing chess. Et il était en train de jouer aux cartes, aux échecs, aux damiers. Sipping wine. En train de boire le vin. Among people that have no direction. Entre parmi des gens qui n'ont aucune direction dans la vie. I want God to do something to you. Je prie que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. That you won't be able to sit down again. Que tu ne puisses plus t'asseoir à nouveau. You see what happened to Jehu? Ouais, ce qui est arrivé. À Jéhu, il ne pouvait plus s'asseoir. By the time he came back, dès qu'il est sorti, he couldn't sit down again. Il ne pouvait plus s'asseoir. Said, ladies and gentlemen, il dit, mesdames et messieurs, I need to move now. Je dois partir. They said, what is it? On dit, mais de quoi s'agit-il? What did that madman tell you? Qu'est-ce que ce fou t'a dit? He said, et il a dit, the Lord sent him to me. Le Seigneur l'a envoyé à moi. That I am the next king over the land. Il me dit que je suis le roi, le prochain roi du pays. Et immédiatement, all those that thought they were his classmates, tous ceux qui pensaient qu'ils étaient ses collègues, they all stood up. Eux tous se sont levés. They said, "Long live O King." Et ils ont commencé à le reconnaître comme le roi. They got a horse. Et ils ont compris. Sat him on it. Ils ont pris un cheval. Et ils ont fait asseoir lui. Et avant qu'on se rende, a chariot was already ready. Un char royal était déjà dressé. And they started moving. Et ils ont commencé à se déplacer. And he was coming fiercely. Et il partait avec vitesse. The king in the palace said, "Who is that?" Le roi qui était au palais dit, mais c'est qui ça? Who is driving like that? Mais qui est en train de conduire comme ça? Say, he look, the driving is like the driving of Jehu. Il dit, il semble que ce soit la façon de conduire de Jehu. You know what touched me about that? Vous voyez ce qui m'a touché dans cela? Can I tell you what happened? Vous savez ce qui s'est passé? Why Jehu was wasting away? Tandis que Jehu était en train de perdre son temps, he had a zeal. Il avait un zèle. A zeal for useless things. Un zèle pour les choses inutiles. Such that when they saw the way he was driving, de sorte que quand on l'a vu conduire, they said only Jehu drives like this. Il n'y a que Jehu qui conduit de cette façon dans le pays. Some of you have capacity. Certains d'entre vous avez tellement de capacités. You have engaged it for useless things. Mais vous avez engagé ces capacités pour des choses inutiles. Some of you are brilliant. Il y en a qui sont très intelligents. You did not invest it for Mais God. Vous n'investissez pas ça pour Dieu. You are investing it in things that will not last. Vous investissez dans des choses qui ne vont pas durer. Don't let your zeal. Ne laisse pas ton zèle. Don't let your skill. Ne laisse pas tes talents. Don't let the endowment of God on your life. Ne laisse pas le revêtement de Dieu sur ta which vie. Which is meant for this move of qui God. Qui est destiné à ce mouvement de Dieu. Don't let it be exhausted. Ne laisse pas être épuisé. Don't let it become expired. Ne laisse pas cela expirer. Doing useless things. En faisant des choses inutiles. Once Jehu stood up. Dès que Jehu s'est levé. The way he used to drive. La manière qu'il conduisait. To do other things. Pour faire ces choses avant. He brought it. Il a ramené cela. But it now became much more serious. Mais maintenant il était plus sérieux. Because there's a fire in him. Parce qu'il y a un feu qui brûlait en lui. We are praying. Nous prions. That before you leave Boko. Qu'avant de partir de Boko. Something will happen. Quelque chose va t'arriver.
that nobody can be in doubt que again. Personne d'autre ne puisse douter de cela. That even if you want to sit down, et même quand tu veux t'asseoir, it will be impossible. Il sera impossible que tu restes. Some inactif. Of you, you have been procrastinating. You talk here, you talk here. I don't want to hear your stories again. Je ne veux plus écouter vos histoires. We are only waiting for your driving. Nous attendons maintenant que tu te mettes à conduire. Only your driving is all we need now. C'est ce que nous voulons maintenant. Not explanation. Pas d'explication. Now speak to God. Alors parle à Dieu. Father. Et dis Père. What you must do to me? C'est que tu dois faire à ma vie. That will set me on fire. Qui va me mettre, qui va m'enflammer. That will set my life ablaze. Qui va enflammer ma vie. That it will not be in doubt. Et que ce n'est sans doute. That I saw the Lord. J'ai vu cela. Do it, oh God. Vas-y, fais-le. Not explanation. Pas d'explication. Not stop clinging on activities and saying, you know, arrête de t'accrocher. No, cry arrête to God now. Tu t'accroches, arrête de t'accrocher aux activités. Visit me, oh God. Le Seigneur, visite-moi, oh I Dieu. Will not let you go. Je ne laisserai pas partir. Unless you change my story. Que tu aies changé mon histoire. Unless you equip me. Que tu ne m'as équipé. I need fire. J'ai besoin du feu. Something that will make me recover my years. Quelque chose qui va me faire retrouver mes années. I need a driving. J'ai besoin d'une conduite. A driving like that of Jehu. Because my time is almost gone. Parce que mon temps est déjà passé. Pray. Arise and set me in motion, O Lord. The man of war. Arise and set me in motion, O Lord. The man of war. Father, this moment, help must come from the sanctuary. Help must come from the sanctuary. An outpouring must come upon our heads now. A fire must be kindled. Lord, I'm asking you, do it. Do it in this meeting. Do it, oh God. Do it in our lives. Do it on our hearts. Do it, oh God. Do it, oh God. Do it, oh God. In Jesus' name, we have prayed. Listen, we are still praying. Écoutez, nous continuons la prière. I want you to be careful to understand this prayer. Prenez soin de comprendre ce sujet de prière. Heaven has brought us to a very critical point. Le ciel nous a amené à une étape très déterminante. Listen. Écoutez. Jehu was not alone. Jehu n'était pas seul. He was in the midst of the captains. Il était au milieu d'autres commandants de l'armée. So when the young man, even the young prophet, came, ce jeune prophète est arrivé. Behold, the captains of the host were sitting. Voici les capitaines de l'armée étaient là. And the young man said, et le jeune homme dit, I have an errand to you. I have a message for you, chef, O captain. Chef, j'ai un mot à te dire. And Jehu said, et Jehu dit, unto which of all of us, auquel de nous tous, I have a message for you. J'ai un message pour toi. So, for you to be sure we are talking to you. Donc pour être sûr que c'est à toi on parle. Are you hearing me? Est-ce que vous me comprenez? For you to be sure God is addressing you. Pour que tu sois sûr que c'est à toi que Dieu parle. Maybe you should ask. Peut-être que tu dois demander. Like Jehu said, comme Jehu a demandé. To which one of us are you talking? À qui d'entre nous tu parles, Seigneur? Because we are many here. Parce que nous sommes beaucoup ici. Am I the one you are talking to? Est-ce à moi que tu parles? Or you are talking to someone else? Ou bien est-ce que tu parles à quelqu'un d'autre? When Jehu asked that. Et quand Jehu a posé cette question, the matter became square. C'est devenu alors plus précis. And he said, to you, to et you. Il dit maintenant à toi. Oh, captain, to you. À toi, chef. You. It's you we're talking. C'est à toi. C'est de toi que je parle. Toi. We're going to the next prayer. Nous allons passer donc au point de sujet, au sujet if de prière suivant. Generally, si c'était général. Stop general prayer. Alors arrête la prière générale. Don't pray for me. Ne prie pas pour moi. Don't pray for anybody now. Ne prie pas pour quelqu'un d'autre. We are not talking to everybody. Nous ne parlons pas à tout le monde. You. C'est à toi. You. C'est à toi personnellement. Toi. This errand is to you. Cette mission, cette commission, c'est toi qui dois l'exécuter. Toi.
Take responsibility. Assume la responsabilité. And now get to the place of prayer. Et retourne au lieu de prière. And say now I'm it's clear. Et dis maintenant c'est clair. There's not a general prayer. Ce n'est pas une prière générale. It's me. Il s'agit de moi. And that I didn't escort Enrico. Et je n'ai pas accompagné Eric. I came by myself. Je suis venu. And you are talking to me. Et c'est à moi que tu parles. Lord, I'm here. Seigneur, me voici. Are you able to say to Est-ce God que tu like peux that? Le dire comme ça pour dire Seigneur, je ne suis pas dans un groupe. If when they say when you say are you talking, I say no, not you. Please sit down. Don't worry. Et donc si tu poses la question, on va te dire non, c'est pas toi, ne t'inquiète pas, c'est pas de toi on parle. If you like, you can sleep. Si tu veux, tu peux dormir. It's not. It doesn't concern. Si c'est comme ça, la réponse, ça ne te concerne pas. You remember the other ones were still sitting. Vous savez, vous vous souvenez, les autres sont restés toujours là à la table, right? En train de boire. They were still playing their chess. Ils jouaient toujours au damier, les cartes, tout ça. Because it doesn't concern. Parce que ils n'étaient pas concernés. I pray that there are not many people like that that is nothing concerned. Je prie qu'il n'y ait pas assez de personnes parmi nous qui ne se sentent pas concernées. But if the Holy Spirit said you, mais si le Saint-Esprit te dit toi, then stand up with it. Alors donc tu dois te tenir debout. Go ahead and say. Vas-y maintenant et dis. I've heard your voice j'ai calling me. J'ai entendu ta voix qui m'appelle. I have heard you calling me. Je t'ai entendu m'appeler. Take your cross and follow. Et tu m'as dit prends ta croix et suis-moi. It doesn't matter whether others have heard peu or not. Peu importe si les autres ont entendu ou pas. Me. Moi, quant I've à moi, you speak to j'ai me. Entendu me parler. I'm ready to take responsibility. Et je suis prêt à assumer ma responsabilité. Can you pray like that? Est-ce que tu peux faire cette prière? Yes, Lord. Yes, Lord. It's not more general now. It's me. It's me. Ce n'est plus général, c'est moi. Ah, so it's me. It's donc, me you are focusing. Donc c'est sur moi que tu te concentres. It's not a general message. Ce n'est pas de tout le monde tu parles. It's not a general errand. Ce n'est pas une commission pour tout le monde. Even though we spoke it over the microphone. Même si c'est annoncé à partir de la chair. Even though we spoke it in a general company. Même si c'est ici dans l'assemblée qui s'est annoncé. It's not a general message. Ce n'est pas un message général. Oh captain, you. Oh capitaine. It's you. C'est de toi qu'on parle. Hein? Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Help me to take responsibility for my calling. Aide-moi à assumer la responsabilité de mon appel. There are many, many captains in the place. Il y a beaucoup de commandants ici. But there is this man, Jehu. Mais il y a ce Jehu. There are many, many, many others around. Il y a plusieurs sont là. But it's you I'm talking to. Mais c'est de toi que je parle. Lord, I'm asking that there will be personal responses. Personal responses. People who are persons who are saying, it's me. I have heard you now. I cannot confer with flesh and blood again. I can no longer sit down and be discussing with other people now. No, it's me. It's me, oh Lord. I've heard you now. You have actually mentioned my name in this matter. Lord, it's me. En fait, tu as mentionné mon nom, c'est moi. I have heard you speak. J'étais entendu parler. And I'm taking responsibility for it. Je réponds, j'assume la responsabilité. I am taking responsibility for it. J'assume la responsabilité maintenant. I am rising to do that which you have told me to do. Je me lève pour agir. Lord, it's me. Seigneur, il s'agit de moi. It's no more about our denomination. Ce n'est plus de notre dénomination. It's no more about our people. Il s'agit plus des gens. It's not our company, our club. Il ne s'agit pas de notre club, de notre It's me now. De notre groupe, c'est de moi qu'il s'agit. Enough is enough. My day breaks now. Ça suffit maintenant. Le jour se lève pour moi. Make that personal response to God as you are praying. Vas-y, fais une réponse personnelle à Dieu pendant que Even nous though we have a good prayer meeting here. C'est vrai que nous sommes beaucoup ici dans la prière. But I see God speaking. He say, it's you. Oh, Captain, it's you. Parler, il dit, c'est toi. It's you. C'est de toi que je it's parle. It's you I'm talking to. C'est à toi que je parle. It's you. It's not about someone else.
C'est à toi que je parle. It's not about someone else. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Let me answer your personal questions for you. Laisse-moi répondre personnellement pour toi. Thank you, Jesus. Merci. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, this is an important point. Écoutez, ça c'est un sujet important. This prayer is not casual. Ce sujet de prière n'est pas. When it became clear to Jehu that it is to him that this errand came. Quand c'est devenu clair pour Jehu que c'était de lui. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He arose. Il s'est levé. And he went into the house. Et il est entré dans l'autre chambre. He went into the chamber. Il est entré dans la chambre. To face the matter. Pour affronter l'affaire. He left where he was sitting with people. Il a quitté là où il était avec les gens. He said, "If this is me." Il dit, s'il s'agit de moi. Not a general response now. Mais ce n'est plus maintenant une réponse générale. When the man said, "I have an errand for you, O captain." Et quand cet homme a dit, j'ai une commission pour toi. If it was not specific. Si ce n'était pas précisé. It will remain a general discussion. Ce sera donc un débat général. But when it became specific. Mais quand ça a été spécifié. He stood up. Il s'est levé. He went into the house. Il est allé dans la chambre. And it was him and the prophet alone. Et il était là-bas lui seul avec l'homme de Dieu. Who is going to rise? Qui va se lever? And follow the Lord. Et suivre le Seigneur. Into the chamber. Dans la chambre, dans le lieu and secret. Say, now, I was in a congregation. Vous dites maintenant, j'étais dans le groupe. But now. Mais maintenant. I'm standing up to follow you inside. Je me I'm lève following pour te you suivre. Inside. Je te suis à l'intérieur. You have been responding to calls. Tu as déjà répondu à beaucoup d'appels. And we thank God. Et nous bénissons Dieu pour cela. But maybe this afternoon. Mais peut-être cet après-midi. You need to stand and follow him inside. Tu as besoin de le suivre pour aller à l'intérieur. And say now, Lord. Pour dire Seigneur maintenant. Now that it is not about a general talk. Maintenant que ce n'est plus, il s'agit plus d'un. It's not a general. It's not a general message. Ce n'est pas un message général. It is an errand to me. C'est une commission qui me concerne. Did you hear God say to you, oh captain, to you? Et tu entends Dieu dire, oh to toi, you, capitaine. To you, oh captain. À toi, oh commandant. To you. Toi, they mention your name now. Et ton nom est mentionné là. Now, if you are stepping out into the house et with si God, tu es en train de t'avancer dans la chambre avec you Dieu, are doing that because you are sure. Tu le fais parce que tu es convaincu. That we are not talking about general talk. On ne parle pas de tout le monde. Now it's no more general talk. Il s'agit plus d'un message général. Are you hearing me? It's no more general talk. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est plus. It is now a personal matter. Ce n'est plus un discours général. C'est and you are saying, God. Et tu dis Dieu. I am coming now. Je viens maintenant. I have heard you call me. J'ai entendu m'appeler. And it's no more general. Ce n'est plus général. Though I came in a company of people from Cameroon. C'est vrai que je suis venu avec des gens du Cameroun. But now I have heard you call me. Mais maintenant je t'entends me parler. Though I came with people from South Africa. Je suis venu avec des gens de l'Afrique du Sud. Now I've heard you speak to my life. T'entends, tu parles à ma vie. It's no more general. Ce n'est plus général. It's an errand to me. C'est une mission an qui m'a errand confié. To me. Une commission qui m'a confié. God has sent a word to me. Seigneur, tu m'as parlé à moi. Ah, Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Ghost. Now I'm going on to pray. Maintenant, je vais prier. Listen, something is going to happen. Écoutez. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And he arose and he went into the house. Il se leva et il entra dans la chambre. And he poured the oil on his head. Et il répandit l'huile sur lui, sur sa tête. That oil was not poured until he distinguished himself out from the company. Cette huile n'a pas été répandue jusqu'à ce qu'il se distingue de cette compagnie. It was exclusive. C'était exclusif. It was an exclusive oil. C'était une huile exclusive. To be done exclusively on the man that errand had been sent to. Qui doit être répandu exclusivement sur la tête de celui à God à is qui going la mission to also respond to you in this meeting. Et Dieu aussi va répondre aussi à toi dans cette retraite. It's not going to be a general oil. Ce sera pas une huile générale. Exclusive oil. Mais quelque chose d'exclusif. Particular oil. Réservé particulièrement. On a particular head. Pour remettre une a man who is taking responsibility. Un homme, une personne qui assume. A woman who is saying, "Here am I." Une femme qui dit, "Me voici."
Send me. Envoie-moi. Here am I. Me voici. Move me. Déplace-moi. Here am I. Me voici. I take responsibility. J'assume la responsabilité. For what is going to happen. De ce qui va se passer. In my nation. Dans ma nation. From now on. À partir de maintenant. Let's pray. Let's pray. Prions. Let it come upon me, O God. Let it come upon me, O God. Que cela vienne sur moi, O Dieu. Let it break forth upon me, O God. Que cela vienne sur moi, O Dieu. Let it be released upon my head, O God. Que cela soit libéré sur ma tête, O Dieu. O Lorobo Shanda Yabakoro. Lord, do it. Seigneur, agis, fais-le. Do it, do it. Fais-le. Go ahead and pray. Forget everybody else. Oublie tout le monde autour de toi. Vas-y. You are in your room with the Lord now. Tu es dans la chambre, dans le lieu secret avec ton Dieu. You are in a specific house with God now. Tu es là dans un lieu particulier avec Dieu. Don't let another person's cry disturb you. Ne laisse pas le bruit de quelqu'un te déranger. You were ordained for this assignment. Tu as été recommandé pour cette tâche. You were exposed for this assignment. Tu as été formé pour cette tâche. You were brought to this place for this particular hour. Tu as été amené à ce lieu pour ce temps particulier. It is not a general meeting anymore. Ce n'est plus une mission générale. You are in your own house with God now. Tu es dans une retraite générale. Tu es dans la chambre. You are avec in Dieu. That room alone with God now. Et tu es dans cette chambre avec Dieu. And a deliberate outpouring will come on your head for Et your life. Une effusion personnelle qui for your own assignment. Pour la tâche qui t'est confiée. Korobo shanda yabakondorobo sila. Lord, keep doing it. Father, keep doing it. Father, keep doing your work in the heart of men. These are things we don't know how to do. These are things we cannot do by ourselves for any man. But as that oil was opened and was poured upon this man for a specific assignment, begin to do that now, Lord. And from this moment forward, begin to relate with each one of us in the room. In the room. In the privacy of our lives. Ika roko shenda yama makondo roboskila. Imba ruku sinda yama kondo roboshiria. Hallelujah. 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 Your head will never come out of this house dry. Ta tête ne va pas ressortir asséchée de cette chambre. God is pouring something on your head. Dieu est en train de répandre quelque chose sur ta tête. It's for your assignment. C'est pour la tâche qu'il te confie. It's for your own assignment. C'est pour la tâche qu'il te confie personnellement. Alléluia. In Jesus' name we have prayed. Prions au nom de Jésus. Now please. Please. Écoutez, s'il vous plaît. The ministration will be going on in the Holy Ghost. Le Saint-Esprit va continuer son ministère. God will be doing things to your life from now. Dieu va faire des choses à partir de maintenant dans ta vie. You are in the house with him now. Est-ce que tu es dans la chambre avec lui maintenant? You'll be having peculiar experiences. Tu vas avoir des expériences particulières. God will be confronting and speaking and declaring things in your inner man. Dieu va te parler, il va t'adresser quelque chose à partir de l'intérieur de toi. But listen, let me just read the passage Mais to you. Écoute, je vais lire le passage pour toi. Why that anointing was coming on his head? Tandis que cette onction se répandait sur sa tête. He poured the oil on his head and he said to him. Il répandit l'huile sur sa tête et lui dit. Thus says the Lord God of Israel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. I have anointed you king over the people of the Lord. Je t'ai un roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Even over Israel. Sur le peuple. This is not because of human election. Ce n'est pas à cause d'une élection humaine. I, the Lord, I have done it. C'est moi l'Éternel qui le fais. What is coming on your life this day? Ce qui vient sur ta vie en ces jours-ci. It's not a human arrangement. Ce n'est pas un arrangement humain. It's not a human program. Ce n'est pas un programme humain. It's the Lord. C'est le Seigneur. It's the Lord. C'est le Seigneur. Take note of this. Prends soin, prends, écoute bien ce qui se passe. And God gave him dimensions of what to do. Et Dieu lui donne la dimension de ce And qu'il doit thou shalt smite the house of Ahab, your master. Et tu vas
détruit, tu vas frapper la maison that de Acham. That I may avenge the blood of my servants, the prophets. Et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes. He has committed atrocity. He has killed too many of my prophets. Elle a tué beaucoup de mes serviteurs. I'm going to avenge the blood of my servants. Je vais venger le sang de mes serviteurs. So you will smite that house. Donc tu vas frapper cette maison. And the blood of all the servants of the Lord. Et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. I will collect it from the hand of Jezebel. Je vais recevoir ça de la main de Jezabel. Je vais for the whole cela. House of Ahab shall perish. Toute la maison d'Achab périra. And I will cut off from Ahab him that pisseth against the wall. That is, there will be no male child in that house anymore. J'exterminerai de la maison d'Achab tout mal. And him that is shut up and left in Israel. Et qui est, quiconque est dans, en Israël. And I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam, the son of Nebat, and like the house of Baasha, the son of Ahijah. God was showing you, these are the kind of things that you will do. Je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, et je te montre ce que tu dois faire. And the dogs shall eat Jezebel in the portion of Jezreel. Et les chiens mangeront Jezabel dans le champ de Jezreel. And there shall be none to bury her. Et il n'y aura personne pour l'enterrer. And the man opened the door and fled. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. One of the things that you are going to wait on God for now. Une des choses pour lesquelles vous allez vraiment persévérer dans la présence de Dieu. Clear instruction. C'est pour recevoir des instructions claires et précises. For this outpouring on your life. Pour cette effusion sur ta vie. Clear specified assignment. Une tâche clairement défini et exprimé. Now you have come out of the crowd. Maintenant tu es sorti de la foule. Now you are no more escorting anybody. Maintenant tu n'accompagnes plus personne. Now you are in your own house. Maintenant tu es dans ta chambre. You are now in the room with God. Et tu es là dans la chambre avec Dieu. You are no more in company of anybody. You are with God. Tu n'es now. Plus en compagnie de quelqu'un. Tu es avec Dieu maintenant. God is going to be saying to you. Dieu va te dire. These are the things your life is going to account for. Voici les choses pour lesquelles tu dois me rendre compte. Let's pray about that. Prions par rapport à cela. That from this meeting now. Et qu'à partir de cette retraite. Clarity. Une clarté. Clear instruction. Une clarté d'instruction. Completely defined assignment. Une tâche complètement bien what définie. Your life is going to be poured for. La chose dans laquelle tu vas investir et répandre ta vie. The extent to which God is going to work in your life. L'étendue de l'action de Dieu dans the ta vie. The company of men and women that will be raised to fulfill that assignment le with you. Le genre de personnes qui vont s'associer à toi pour accomplir cette tâche. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, Karobo Shanda Makondo Roboskiba, Santo Robo Shenda Mama Kondo Roboskila, Inda Rabba Baba Kondo Roboshiri, Interebo Shinda, Onto Roboskimba Kondo Roboshiri, Zanta Makondo Roboskila, Inda Rabba Baba Kondo Roboshiri. Hallelujah. You know, this prayer will continue. Cette prière va continuer. When we take a break now, quand nous allons avoir la pause, immediately after you have finished your food, just find a quiet place. Après avoir pris le repas, il faut trouver un endroit calme et seul, isolé. If you want to stay here, there's no problem. Et si tu veux rester sous la bâche ici, c'est pas grave. Want to stay under a tree, no problem. Si tu veux aller sous un arbre, c'est pas grave. Just find a place to be alone. Mais trouve un endroit pour être seul. Because God will be speaking. Parce que Dieu va parler. Il va te He parler. Will be speaking. Il va parler. But before I pray with you, mais avant de prier avec toi, as our brother was bringing the word of God, tandis que notre frère apportait la parole, he said, when the day breaks, il dit quand le jour se lève, then outpouring and the rising sun on your life, le soleil qui se lève sur ta vie, is to accomplish what was already pre-planned. C'est pour accomplir ce qui était déjà préparé d'avance. It's not an individualistic thing. Ce n'est pas une affaire individuelle, even indépendante. You are taking personal responsibility. Quoique tu prends la responsabilité personnelle. But it's not about making a name. Il ne s'agit pas de te faire un nom. It's not about going to devise another thing. Il ne s'agit pas d'aller commencer quelque chose d'autre.
There are works that heaven had ordained. Il y a des œuvres que le ciel a déjà prédestinées. That you will walk into them. Dans lesquelles tu dois entrer. So you are going to say to God. Et tu vas dire donc à Dieu. This individuality. Cet individualisme. That is making me unable to fit into my space. Qui m'empêche d'occuper mon espace. That's I'm leaving that. Je vais laisser ça de côté maintenant. Now this meeting. Maintenant. Dans cette retraite, must put your sword in my hand, il faut mettre ton épée dans ma main, with which to execute my assignment, par laquelle je vais exécuter ma tâche, in what you have already ordained. Dans tout ce que tu as déjà prévu et ordonné. Pray that prayer. Fais cette prière. Oh Lord Jesus. Inda robos kamba kondo robos shinda ba kondo robos kila. Inda rababa baba kondo robos kinda raba shinda ba kondo robos kila. Inda kusa ba robos shinda ba kondo robos kinda raba baba baba. Onto robos kamba kondo robos shinda ma kondo robos kila. Inda robos kinda raba baba baba. Onto robos Lord. Lord, Lord, things that hijack people from their call, take it away right now. Seigneur, secret ambition, les ambitions secrètes, les choses qui nous take it out. Autres de tes projets, that this wants my feet into the overall global plan of God for the nations. Plus apte à intégrer dans le plan général de Dieu pour thank you, Father. Les temps qui sont à venir. Right, if you stretch forth your hands to the Lord, I would like to pray for you. Étendez les mains vers le Seigneur, je veux prier pour vous. Holy Ghost, do it again. Do it for me in my life today. Open my eyes to see Jesus. Seated upon the throne, Holy Ghost, do it for me. Do it in my life. Open my eyes. To see Jesus, oh, is seated upon the throne. Holy Ghost, pour for the oil. Pour for the oil. Il faut appeler l'huile pour se répandre sur ta vie. That exclusive outpouring. For this specific assignment, cette huile particulière, that this one will go and burn in the nations and push your program. Holy Ghost, that's the last time. Saint-Esprit, that's the last time. Encore. Onto robo sanaya bakondo robo shi. Ouvre mes yeux. Pour voir. Manta yaba kondo robo skinda robo shi. Pita robo skinda yaba baba kondo robo shi. Linda raba sando robo shinda bakondo robo skin. Embo robo skanta yaba kondo robo skinda raba su. Inda rabo santa yamba kondo robo skinda baba kaura masai. Santa ba kondo robo skimba kuri mashima. Zambo robo skimba kunda rima saila. Zembo rima saila mashanda ba kondo robo skiba. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Kante yete rebo skamba kunda rima sana. Imba rata santa yama toro bo skimba korobo shiba.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. An exclusive oil. An exclusive outpouring. Outpouring of the Spirit of God. Exclusive move of the Spirit of God. Exclusive for this assignment. An exclusive outpouring for this assignment. Shinda makondo roboskila. Hallelujah. Hallelujah. Father, let it be so. Qu'il en soit ainsi. Exclusive outpouring. Cette effusion exclusive. Specific. Qui est spécifique. For these ones to fulfill their assignment in life. Ceux-là qui vont accomplir leur tâche divine. The one that leads them from among the dead. Ce qui va les distinguer parmi les morts. For them to exercise your purpose. Pour qu'ils puissent exercer la volonté de the Dieu. The one that takes them away from mockers and people fait, that only joke with the word of God. Ce qui va les exclure et les enlever de ceux qui se moquent de that ta parole. That will place a sword in their hand. Quelque chose qui va mettre ton épée dans leurs mains. A chariot under their feet. Et un char sous and leurs pieds. And a vision for their eyes. Et une vision pour leur vue. Until your divine purposes are established. Jusqu'à ce que ta volonté divine soit établie. In the nations. Dans les nations. Let it be so, Lord. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. From this afternoon. À partir de cet après-midi. Keep doing that. Vas-y, continue Lord, de faire keep cela. Working on this. Merci d'agir. Thank you, Father. Merci, Père. Father, after that moment. Père, après cet instant. Jehu never remained the same again. Jehu n'est plus resté le même. Lord. Seigneur. None of these ones will remain the same again. Personne de ceux-là ne restera le même. They cannot go back and sit down in those things. Ils ne vont plus retourner encore pour s'asseoir dans ces mêmes choses. As they take this destiny you are showing them alors deliberately. Alors qu'ils assument cette destinée que tu leur montres. We will hear what you will do. Nous entendons parler de ce que tu vas faire en eux. It happened in the room. Ça s'est passé dans le secret. But the result was in the public. Mais le résultat sera public. Suddenly. Subitement, those who sat in wickedness knew that a terrible thing has happened to them. Ceux qui étaient là dans la méchanceté ont compris que quelque chose s'est passé. The kingdom of darkness suffered damage when Jehu arose. Et le royaume des ténèbres a subi des dégâts quand Jehu s'est levé. So will the kingdom of error and darkness suffer damage because of you in the name of Jesus Christ. Il en sera de même, le royaume des mensonges et de l'erreur va subir des dégâts quand tu vas te lever au nom de Jésus. Your nation may look big and imposing, but that's peut-être not the issue. Ta nation semble être difficile, mais ça c'est pas là le problème. Wickedness has been on the throne for tens and twenties of years. La méchanceté règne depuis une dizaine ou une vingtaine but d'années. In one day, mais en un seul jour, Jehu brought down Jezebel. Jehu a fait descendre Jezabel. You know they prepared 70 sons. Vous voyez, on a préparé 70 fils. Because they were planning for perpetuity. Parce qu'en fait, ils étaient en train de perpétuer le they pouvoir. They want to perpetuate evil. Ils veulent perpétuer le mal. They say if this one dies, another si one will take over. Si celui-ci meurt, l'autre va prendre la place. That was the plan of Jezebel. C'était là le plan de Jezabel. But when Jehu rose, mais quand Jehu s'est levé, in one day, en un jour, all those 70 sons finished. Tous ces 70 fils là. They bring me their heads in a basket. Apportez-moi leur tête dans une corbeille. Father, this afternoon. Cet après-midi, Père. Things have gone far for years. Les choses ont existé depuis des années. But as your children arise. Mais pendant que tes enfants se lèvent. We will see a turnaround. Nous verrons, nous allons avoir un bouleversement. There are people from Liberia here. Les gens du Liberia ici. So much devastation. Tellement in Liberia. De dévastation dans ce pays. Family has broken down. Les familles sont brisées. Youth no longer have a sense of decorum. Les jeunes sont désorientés. As you are raising some Jehus here, tandis que tu es en train de susciter des Jehus parmi nous, there shall be a recovery of Liberia. Il y aura une restauration, un recouvrement du Liberia. Liberia is going to come into a revival. Le Liberia va venir expérimenter un réveil.
As you run from county to county. Et quand tu vas aller de département en People département. People say, when did this thing happen to this young man? Comment est-ce que, quand est-ce que cela est arrivé à ce jeune homme? Where did he get this kind of authority that is compelling obedience? Comment est-ce qu'il a obtenu cette autorité qui oblige au respect? Because it is time. The Parce day has spoken. Le temps est arrivé. Le jour se lève. Lord, I confirm that here in the name of Jesus Christ. Je confirme cela dans le nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. Lord, this meeting continues. Seigneur, cette retraite continue. But now in our private rooms. Et maintenant, c'est dans le lieu secret de notre chambre privée. All the instructions, let it come. Que toutes ces instructions-là viennent à nous. Thank you. Merci. In Jesus' name, we have prayed. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Thank you.